prenez la scène en essayant de donner plus de vous-même. Et puis toi, Mavens, tu gardes le texte. Hein. Mais y plus de joie et plus d'humour dans ce que tu vas dire, d'accord? Dernière recommandation avant de se lancer sur scène, et ces jeunes enfilent le costume de comédien pour la première fois. Originalité, ils répètent dans leur propre établissement scolaire à seulement une semaine de la rentrée des classes. Il prend le dinar, le passe sous le nez du marchand, puis le rend à Dieu. L'initiative s'adresse à 12 collèges du département situés en zone d'éducation prioritaire. Au collège Martin Luther King de Villiers-le-Bel, cette activité théâtre aura permis à ses élèves d'améliorer leur expression orale et leur prise de parole en salle de classe. Avant j'avais un peu honte de lire à haute voix, mais ça pesait. Ça s'est passé. Comme je suis pas très bon à lecture, moi dans la classe tout le monde se moque de moi parce que j'arrive pas à lire. Par exemple, dans cette classe, personne s'est moqué de moi. Moi, ce qui m'a plu, c'est de rencontrer des amis. Alors même, ils se moquent pas de moi, c'est pas des amis comme les autres. Voilà. En tout, c'est un millier de collégiens valdoisiens qui ont profité de cette opération. Au-delà de ce conte berbère, les autres établissements ont proposé des activités sportives avec des policiers, la préparation du brevet de secourisme ou encore la découverte du musée du Louvre en juillet. Objectif, réconcilier certains élèves en échec scolaire avec l'école. Ces activités permettent aussi de revaloriser l'image de soi, l'estime de soi. Souvent, dans nos banlieues, les jeunes ont une image très mauvaise d'eux-mêmes. Ils ne croient pas en leurs capacités. Ça permet notamment, je dirais, à des enfants de voir l'école, de voir le collège sous un autre angle. Là, vous l'avez vu, c'est des petits groupes de 7 ou 8 en fonction de l'activité. Et ça permet une création, ça permet des relations qui sont beaucoup plus fortes entre un enfant et le collège. Une façon ludique de retourner à l'école avant la rentrée, avec comme petit plus la découverte du théâtre. La mission est accomplie. Beaucoup de ces jeunes se disent prêts à retourner sur les planches durant l'année.